Salut. Vous vous attendiez pas à me voir dans un décor comme celui-là. Vous vous attendiez à me voir au bureau ou à la maison. Et non, on est déjà dans le bateau. Ouais, je sais, on est mardi 11 avril. Vous dites, mais quoi? Scandale! On n'a même pas le vlog en entier de tout le mois d'avril. Eh ben non, pour la simple et bonne raison que je n'ai fait que monter le vlog du mois de mars. Pas tout à fait, à vrai dire. Une fois qu'Echou est rentré chez lui, j'avais du taf à rattraper comme je vous l'avais dit. Il y avait le vlog à monter, certes, mais il s'est passé un truc aussi qui n'était pas prévu. C'est le fait... Vous les entendez, eux? Ils parlent fort, les gens dans le couloir. C'était le fait que Unreal soit possiblement dans les jeux de la Zilan, voilà. Et il faisait partie des jeux qui étaient soumis au vote du public. Du coup, j'ai fait une petite vidéo que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Merci d'ailleurs à tous ceux qui auront voté pour Unreal. On était qu'à 3% derrière Golfgang et franchement, je suis fière parce que tout le monde disait « Ouais, Golfgang va gagner haut la main et tout. » Et en fait, Unreal est arrivé juste derrière. Donc voilà, je ne désespère pas de voir Unreal d'un jour à la Zilan, j'en suis sûre. Du coup, nous voici de nouveau dans le bateau pour partir à Montpellier, sauf que on a un truc tout nouveau, bah c'est le bateau, parce que c'est un nouveau navire qui est en navigation depuis très peu de temps, et du coup tout est neuf. Voilà, donc on va faire le room tour de cette cabine, qui vous allez le voir est beaucoup plus petite que la dernière cabine que vous avez vue. Je suis sur un navire Corsica Linea, tout neuf donc, et c'est parti pour la visite. Vous allez voir que c'est beaucoup plus étroit, peut-être même vous l'entendez au son. Alors, quand on rentre, on a un miroir ici, avec une petite penderie juste là. Et je vous ai mis mes sacs à dos par terre pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'espace entre les deux lits. Donc du coup, deux lits, deux autres lits si tu viens à plus que une ou deux personnes. Tu as un petit espace pour poser tes affaires ou t'en servir comme bureau. Voilà, et puis hop, de l'autre côté, la porte de la salle de bain. Évidemment, il y a la télé juste ici. Et puis la salle de bain, je l'ai même pas ouverte encore. Je vais découvrir ça avec vous. Yay! Bon, bah classique, hein. Toilette, lavabo, c'est classe. Regardez ces miroirs-là, c'est tout neuf. Est-ce qu'on a un rebord? On a un rebord dans la douche. Non, franchement, il a l'air top ce navire. Je vais vous filmer aussi ben, le bateau en lui-même parce que vous allez voir, on voit que c'est tout neuf. Hein. On le voit. Oh, vas-y, viens, on fait la visite en mode comme si on était une voix off. Bienvenue à bord du Galéote. Profitez de nos nombreuses commodités à la pointe de la technologie. De son espace-jeu qui ravira les petits comme les grands. De nos agréables terrasses extérieures. Et ah oui, ça va 2 minutes la voix off. Dans ce navire, ils ont mis le chenil sur le pont extérieur. Pratique du coup pour aller voir ton chien pendant la traversée. Et si jamais t'as pas de cabine, t'as le salon fauteuil. Ça ressemble à ça. Et du coup, t'as aussi des sanitaires de toute beauté avec toilette et douche. Après, la classique, une salle de self et un restaurant. Du coup, je suis allée me poser au bar vite fait avant de retourner dans ma cabine. Bah ouais, il n'y avait pas de prise électrique. Je pense qu'ils font ça pour pas que les gens squattent trop. Ok, je sais pourquoi je regarde plus les infos. Les seuls moments où je regarde la télé, c'est quand je suis pas chez moi et que j'ai que ça à faire. Et du coup, là, je regarde l'actu. Il n'y a plus d'eau, les agriculteurs doivent forer dans les nappes phréatiques pour pouvoir arroser leur plantation, le pétrole russe qui est soumis à un embargo et au final bah, ils arrivent quand même à importer du pétrole en France sans que ça se sache parce qu'il y a des grosses magouilles de ouf. Il n'y a que des fucking mauvaises nouvelles, que ça. Et dans les bonnes nouvelles on te dit quoi? On va installer des brumisateurs dans les cathédrales pour éviter que ça brûle. Alors je respecte les monuments historiques, il n'y a pas de souci, mais genre, il n'y a que ça comme bonne nouvelle que tu dois annoncer aux gens qui regardent encore la putain d'actu? Tu veux pas mettre en avant des gens qui font des choses pour l'environnement, qui font des choses pour le social? L'autre truc, mauvaise nouvelle, c'est genre les enfants qui sont maltraités dans les crèches, mais allô? Dans quel monde on vit? Ça me déprime de voir ça, c'est horrible, ça donne envie de rester chez soi et de rien foutre. Vraiment, parce que tu te sens impuissant de ouf.
J'ai pas de solution, je sais pas ce qu'il faudrait faire à part agir à l'échelle locale. Genre vraiment, si vous pouvez agir dans votre ville, dans votre village, dans votre métropole, faites-le. Parce qu'il n'y a que ça. Faire des choses à petite échelle, eh bien ça deviendra à grande échelle. Je vois pas d'autre solution. Parce que les trucs à grande échelle, on n'a pas assez de poids pour que ça ait un impact réel. La preuve, la France est à feu et à sang. Macron, il dit quoi? Allez, ta retraite, bah tu vas bosser, poteau, tu vas bosser. Ça doit être très difficile d'être homme politique, mais putain, je pense qu'il y en a plein qui font pas ce métier pour des bonnes raisons. Vraiment, vraiment. Et d'un côté, je sais que c'est dur aussi d'agir à petite échelle parce qu'on est tous pris dans notre quotidien, en train de bosser, en train de courir partout. Je suis la première à être toujours par mons et par vos. Mais il faut prendre le temps de réfléchir à ça et de se dire que si on a la possibilité d'agir pour notre entourage, pour notre ville, notre village, eh ben faut prendre le temps de le faire. Voilà. Eh, on démarre le vlog avec un coup de gueule, on est bien ou pas? Je suis désolée, mais ça me révolte tellement de voir les infos. Voilà. D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse. Dans les gens qui vont regarder ce vlog, il y a encore combien de personnes qui regardent les actus à la télé? Peu importe la chaîne. Là, je suis sur France 2, mais autant te dire que je me suis tapé toutes les autres chaînes pour voir un peu les différents sons de cloche. Invitons nos passagers et voyageurs en cabine à bien vouloir nous remettre leur carte de cabine ainsi que les barrières et matelas de l'IBB avant le débarquement. Les plus observateurs d'entre vous se diront « Eh, mais c'est pas dans ce sens-là pour aller à Montpellier !» Bien joué ! Bah oui, normal. Dès le débarquement, j'ai fait un petit crochet par Bandol pour voir mon amie Émilie. On a déménagé quasiment en même temps dans le sud et on s'était pas revus depuis. Du coup, on a pris le petit-déj chez elle et ensuite on est allé en centre-ville et on s'est fait un petit resto italien délicieux. C'était cool de pouvoir prendre le temps d'être ensemble pendant toute une matinée. Bon, on est mercredi soir, j'ai tellement l'impression d'être mardi parce que la dernière fois que je suis venue, je suis arrivée un mardi, mais non, on est mercredi, demain c'est jeudi, demain travail, boulot, doublage. Je vous ai pas filmé plus que ça aujourd'hui parce que déjà j'ai fait beaucoup de routes et aussi parce que ce matin et ce midi, j'étais avec une pote que j'avais pas vue depuis 4 ans, depuis que j'avais déménagé, parce qu'elle aussi elle a déménagé dans le sud. Et là j'avais du temps pour passer la voir chez elle, donc c'était hyper cool. Après la route, je suis allée chez ma collègue pour enregistrer mes commandes du jour, donc là il me reste à livrer toutes mes commandes et après je vais aller prendre une douche pour laver mes cheveux qui sont et puis voilà, puis dormir, parce que je dois dire que la nuit dans le bateau, bon, elle était bof, hein. Les nouvelles cabines, elles sont petites, elles sont très jolies. Mais par contre, il y a la lumière du jour qui passe sur tout le pourtour de la porte. Pour les gens qui supportent pas la lumière pour dormir, c'était un peu compliqué pour Ciboulette. Mais voilà. Et ben, bonne nuit. À demain. Il est 8h36. J'ai plutôt bien dormi. J'ai galéré pour aller dans la douche hier. J'étais tellement fatiguée. Mais... Et ben c'est parti pour aller bosser, hein. Mais non, c'est flou. J'espère que c'est pas tout le temps comme ça. Je sais que Louis m'a dit que lui, il avait pas de chanson. Il faisait deg. Ah bah non, c'est bon, c'est pas flou. Je vous assure que ce dessin animé, il est normalement prévu pour les 6-9 ans. Mais sans rien vous dévoiler de ce qui se passe, je vous assure qu'il va plaire à beaucoup de gens de notre génération. Félicia fait un haut non. Genre, elle répond à Charlie qui dit on va pas le rater cette année. Parce qu'elle est en mode... Oh non! Wow!
Alors ça, c'est ce qui s'appelle du marketing qui décoiffe. Oh non. J'ai fait bouche fermée alors qu'elle est bouche ouverte. Wow. Alors ça, c'est ce qui s'appelle du marketing qui décoiffe. Oh non. Alors ça, c'est du marketing qui décoiffe. Ah là, Clément est pas content de ce qu'il a fait. Des fois, on s'en rend compte direct. Oh non. Ouais. Et on refait. Alors ça, c'est ce qui s'appelle du marketing qui décoiffe. Oh non. Ouais. Jusqu'à avoir ce qui colle exactement à l'image. Et je crois que celle-là, c'était la bonne. Ouais. Waouh. Traverser les murs, ça, c'est un pouvoir hyper utile. Oh bah, c'est reflou. Bon, tant pis. Non, n'y touche surtout pas. Je suis en train de programmer un jeu immersif dans une réalité virtuelle extrêmement augmentée. Mais j'ai pas encore fini. Bon, c'est l'heure de mon goûter. Rappelez-vous bien, on ne touche à rien. Oh, il est adorable ce bébé chien. Allez bonhomme, à la maison. Oh, et je dois dire qu'en cette journée, j'ai un peu accusé le coup de la fatigue de la veille. Et sur les scènes où j'avais pas de réplique, j'ai fait quelques pauses assises à le regarder bosser. S'il te plaît, je veux juste que tu le protèges en attendant que j'appelle l'ambassade de Pepper Lombie pour qu'il le récupère. Normalement, ça devrait sortir dans pas longtemps sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télévisions. Si vous voulez le savoir en temps réel, je vous invite à me suivre sur Instagram. On peut pas être de mauvaise humeur par un temps pareil. Et en plus, ce matin, je me suis réveillée sans nouveau pouvoir à la nôtre, Nasdrovia. C'est pas ça le problème, grand-père. Tu comprends pas que c'est trop dur de vivre avec cette incertitude. Chaque jour, un nouveau pouvoir que je peux ni choisir, ni contrôler. Sérieux, c'est pas assez d'être une pré-ado qui ne peut déjà dans ce cours. J'y étais. Oh. Décidément, je crois que la caméra était, comme moi, fatiguée. Sérieux, c'est pas assez d'être une pré-ado qui ne peut déjà pas choisir ni contrôler sa propre vie. J'en ai marre, y a personne qui peut me comprendre. C'est pas facile pour moi. Pourquoi la vie est si injuste? J'ai pas choisi d'avoir des pouvoirs, j'ai pas choisi d'être moi, j'ai... Hein? Oh? Oh? Vous m'avez entendu? Et quand on a des amis à ses côtés, rien n'est jamais bien grave, si... Fin de journée, me voici chez ma collègue pour mes enregistrements quotidiens. Jouez à la course au caddie dans le réseau. Vous souhaitez réaliser un audit énergétique réglementaire? L'éphéméride avec Mobalpa Ayer, route de la Londe. Le Nord Trail Mont de Flandre approche à grands pas. Mercredi 3 mai pour l'ouverture des journées romaines de Nîmes. Le salon auto et moto du 12 au 14 mai de 10h à 19h non-stop. Souffleur de verre, bronze en fusion d'une forge viking, chant, danse, cervoise et hippocras. Vendredi 21 avril, montez sur scène, prenez le micro et chantez vos tubes préférés à la grande soirée karaoké de votre Celtic Café, au fin. Ensuite, on a mangé au Gourou. Et autant vous dire que le resto est à la hauteur de sa réputation. Délicieux. Merci Poca pour l'accueil. Et en rentrant, livraison de commandes avant un repos bien mérité. Regardez-le lui, il a vraiment cru qu'il allait dormir avec moi. Enfin, là, c'est plutôt lui qui se dit « Elle va sérieusement dormir là ?» C'est vendredi matin. Je pars pour le doublage. Et évidemment, hier soir, j'arrivais pas à m'endormir. Genre, il était 1h du matin quand je me suis mis au lit. Et j'étais comme ça et tout. J'ai scotché devant des vidéos YouTube. Bon, j'ai fini évidemment par m'endormir, mais comme une enfant. Et ce matin, réveillée, 7h-5. Alors qu'on bosse qu'à 9h, donc je mets mon réveil aux alentours de 8h, 8h moins le quart. Voilà, mais pareil, hop, dans le lit en mode vite, j'ai envie d'y aller, tu vois, comme une enfant qui va à Disneyland Paris. Alors voilà, j'aime tellement ces journées de doublage que c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Donc c'est parti, je pense que ce soir je vais tomber comme une mouche, si c'est comme la dernière fois. Et en avant, allez, faudrait pas être en retard, il est 8h44, go! Ah, avec les ajustements nécessaires, la machine de mon père pour agrandir les boutons d'ascenseur serait capable de faire l'inverse. Mais bonne chance pour le convaincre de vous rendre service. Hein? L'algorithme de miniaturisation est prêt. Il nous manque plus qu'un moyen de transport. Hein? Ah! Ah! Non, pourquoi tu veux toujours tout faire, Charlie?
menace nous tuer. Attention. Allez, plus énervé. Non, pourquoi tu veux tout faire? Toujours tout faire. Dommage, raté. Nouvelle prise. Non, pourquoi tu veux toujours tout faire, Charlie? Et les cris mythiques de Clément. Attention. Peut-être que les pouvoirs de Mathilde ont créé une ouverture dans l'espace-temps et que nous sommes témoins d'une anomalie temporelle. Vite, les amis, suivez-moi. S'il vous plaît, ouvrez-nous, ouvrez la porte. Ravie de vous avoir rencontré, grand-mère de Mathilde. Ouais. Quatre places pour Jambon 2, s'il vous plaît. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait rater la première. C'est parti pour Jambon. Et on a terminé avec les titres des épisodes. Au bout du rouleau, partie 1. Au bout du rouleau, partie 1. Clément? Oui. Clément? Oui. Clément, c'est flou. C'est fini surtout. Mais oui, c'est fini. C'est pour ça que c'est flou. C'est pour ça que on c'est flou. On ne pas vraiment accepter la oui. réalité. On a fini, après on revient plus jamais jusqu'à on ne sait pas quand. Ça reste toujours flou, mais ah voilà, c'est net. Il suffit de lui gueuler dessus, ça marche. Non, moi je suis flou. Ouais. Non, mais on reste flou, c'est prêt. C'est parce qu'il veut. Elle qu'il veut qu'on lui parle comme ça. Elle veut qu'on se filme prêt. Je pense. C'est pour ça. Pour bien voir le grain de la peau. Super. On est contents. Voilà, on a fini. C'était bien. C'était génial. On s'est bien amusé. Oui. C'était trop cool. En vrai, c'était trop trop bien. Mais c'est toujours flou. Merde, je vous ferai une voix off. Nick. Rendez-vous saison 8. Oui. 8. Putain, ce serait incroyable. Il est 18h, je suis arrivée chez mes potes. J'ai les yeux qui se ferment toutes seules. Voilà, je n'ai même plus parlé. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. C'est le contre-coup de ma petite nuit, je crois. C'était un peu dur aujourd'hui, comme vous l'avez vu. Alors, j'ai donné tout ce que j'avais, mais voilà, j'ai dû aller puiser un peu dans mes ressources. Mais c'était trop bien. C'est un petit mélange de joie et de tristesse. Je suis pas triste en vrai, hein, je vais pas me mettre à chialer non plus. Mais voilà, putain, on a fait 2 saisons quoi, c'est incroyable. Le truc cool, c'est que ça va sortir dans pas longtemps et que donc on pourra vite voir le résultat final. Et le point d'interrogation, c'est de savoir si ce dessin animé aura le succès qu'il mérite. Je pense que oui. Et s'il y aura d'autres saisons et tout, donc voilà, j'ai trop hâte. Ça y est, les copains, ils sont là. On va aller faire des courses dans les magasins, on vous emmène. Yay. Ils ont des trompe-l'œil sympas chez Ikea. Ouais, de ouf, hein. Au final, je vous ai pas filmé grand-chose, mais bon, rien d'intéressant. Le truc cool, c'est maintenant. On a monté les meubles dès notre retour. Et du coup, petit avant-après sur le point bibliothèque. Vous êtes prêts pour la journée voiture? 2-3 courses pour la cuisinière masquée avant de partir. Faut pas que j'aille là-bas, je suis trop gourmande, obligée de me prendre un truc. Petite pause café, enfin latte macchiato. Avant de repartir, direction Marseille. Oui, je viens de récupérer ça sur le bon coin. C'est une armoire. Ah, bijoux! Bon, je vous montrerai ça quand ce sera installé à la maison. Trop bien! Et j'avais pas mal de temps à tuer avant d'embarquer. Du coup, je suis allée au centre commercial Les Terrasses du Port, qui est littéralement à côté de la porte d'embarquement du bateau. J'avais une mission, je devais acheter un jean pour Drew. Au final, j'ai aussi craqué pour quelques petits trucs pour moi. J'ai récupéré mon repas pour le soir. Et hop, direction l'embarquement. Ça y est, nous revoici dans le bateau. J'ai halluciné sur le monde qu'il y a, mais en fait, c'est normal, c'est le début des vacances scolaires.
J'ai acheté plein de trucs qui n'étaient pas prévus, mais bon, en même temps, il faut savoir se faire plaisir aussi. Je me suis pris de quoi manger, du coup, comme d'hab, je vais manger dans la cabine. En attendant, je vais peut-être aller me poser dans la zone du bar, tranquille. Parce que cette nuit risque d'être très, très, très mouvementée. Il y a beaucoup de vent. Et Dron m'a dit qu'hier, ils ont annulé les traversées tellement la mer était mauvaise. Donc, je m'attends pas à passer une super nuit. On verra demain. Du coup, on va profiter du calme avant la tempête. Et je vous fais pas la visite de la chambre, hein, parce que globalement, c'est la même qu'on a eue dans le vlog du mois de mars, je crois. Je vous mettrai le lien du vlog si jamais ça vous intéresse. Je me suis offert un petit muscat pétillant avant de prendre la mer. Et puis, je suis retournée dans ma cabine parce qu'il y avait décidément trop de monde dans ce bateau. Petit extrait sonore de la cabine juste après être partie. Et là, ça fait même pas 30 minutes qu'on navigue. J'ai trouvé comment faire pour que ça fasse plus clic-clic, parce que c'était la télé, je croyais que c'était les échelles. J'ai mis une serviette pour caler... Oh putain, ça bouge. Ouais, j'ai tenté un plan, je voulais vous filmer la houle, mais en fait, on se rend pas trop compte. Et puis, finalement... Eh ben, j'ai grave bien dormi. En vrai, je crois qu'ils ont décalé le départ d'une heure, parce que là... il me semble que normalement on débarque à 7h et là il est déjà bientôt 8h. Je pense qu'ils ont tout décalé pour que qu'on soit pas dans des houles de fou pendant la nuit. Il y a eu un ou deux moments où ça a vraiment énormément bougé. Mais en vrai non, j'ai grave bien dormi. Je crois aussi c'est parce que je rentre à la maison. Du coup je suis en mode sereine, décontractée. Je vais revoir mon amoureux. Du coup, je vais sûrement aller prendre directement le petit déjeuner là où Drouille bosse. Parce que bah, si on était arrivé à 7h, je serais arrivée à 8h à la maison. Et donc, je l'aurais vu à ce moment-là. Mais comme là, on va débarquer à 8h et qu'il commence à travailler à 9h, bah, je vais directement aller le voir là où il bosse. Bon, avant d'attaquer l'enroulement de tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis offert des fleurs Lego. Déjà, je trouve ça trop beau. Et en plus, bah, on va le faire en live. Ça va être l'occasion d'un live qui aura peut-être déjà eu lieu. Alors, vous regardez ce vlog, à mon avis. Et ce qui est fou, c'est que en passant chez Ikea, je me suis acheté un vase. Parce qu'en fait, la cuisinière masquée, elle me ramène tout le temps des fleurs quand elle va se balader. Et j'ai pas de vase jamais pour les mettre. Donc je me suis dit, je m'achète un vase. Bon bah du coup, faudrait que je me rachète un autre vase. Parce que je pense que je vais les mettre là-dedans. Mais c'est fou, trop bien. J'ai évidemment acheté un jean pour Drew parce que c'était la mission de base. Hein. Voilà, les Lego et le reste, c'était pas prévu normalement. Je me suis racheté des colorations. Parce que je sais que celles-là, elles sont bien. Alors elles tiennent pas très longtemps, hein. De toute façon tout ce qu'on trouve en France, bah, ça dure pas très longtemps. Mais ça ira en attendant que je reçoive celles qui viennent des États-Unis et qui devraient arriver cet été. Parce que j'ai une copine qui a de la famille qui habite aux US et qui donc va m'en ramener. Voilà, pour éviter de payer les frais de douane qui sont hors de prix par rapport au prix du produit en lui-même. Donc voilà, j'en ai pris deux en cas de besoin. Alors vous avez vu, je suis passée dans ma boutique préférée qui est Pylône. C'est une boutique qui fait bah déjà tout est produit en France. Et ils font plein de choses pour la maison. La particularité de Pylône, si vous ne connaissez pas, c'est qu'ils prennent un design et en fait ils le déclinent. Genre par exemple, tu vas avoir la théière, tu vas avoir les tasses, les cuillères, les couverts à salade. Enfin voilà, tout dans le même motif. Par exemple, moi j'ai cette théière à la maison et j'ai également la tasse et... J'ai une boîte de lunettes aussi qui est dans le même motif. Voilà, bon bref, j'aime trop ce magasin et surtout, ce qui est hyper cool, c'est qu'ils font des bagues. Et moi, quasiment toutes mes bagues, elles viennent de chez Pylône. Et là, ça faisait hyper longtemps que je m'en étais pas achetée parce que j'en ai déjà plein. Et en fait, voilà, trop dur de résister. Du coup, je l'ai pris en violette et en bleu turquoise. Tu veux pas faire la mise au point? Wesh! Voilà, c'est des bagues en verre soufflé et en fait à l'intérieur là
Il y a des petites billes, mais ça existe aussi avec du liquide transparent ou opaque. Et il y a plein de formes différentes, il y a du rond, il y a des nuages, il y a des petits chats, il y a des petits cœurs et tout. Et voilà, moi j'aime les grosses bagues, j'en ai plein des grosses bagues de chez eux. Mais là, ces derniers temps, j'aime trop les petites, celles-là, elles sont trop jolies. Et donc voilà, je m'en suis offerte deux. Écoutez, on travaille, c'est pour se faire plaisir aussi, hein, pour pouvoir s'acheter des choses qui sont pas forcément utiles, mais qui nous font plaisir. Et voilà, je le fais pas souvent. Mais hier, c'était le cas avec ces bagues et les Lego. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure de ranger tout ça. Remettre l'ordi à sa place. Allez, installer cette petite armoire à bijoux. Petit time-lapse ? Ouais, je sais que vous êtes comme moi, vous adorez ça. Oui, ok, j'ai acheté des mochis. Et ces moules à glace de chez Ikea, qui sont trop bien. Le midi, j'ai mangé avec la cuisinière masquée et mon pote Aya. Bosser un peu sur la compta et après avoir profité de l'après-midi avec Drew, je me suis fait une fin de journée chill avant d'attaquer le rangement de mes bijoux. Bon, du coup, je me suis refait les ongles en espérant que ça tienne mieux que ce que j'avais fait avant de partir pour le boulot. Et ça, c'est tous les trucs que je dois ranger ici. Il y a toutes mes bagues pylônes. Là, j'ai du bracelet, du collier, j'ai surtout beaucoup de boucles d'oreilles et encore d'autres bagues, mais pas des pylônes. Donc, je vais essayer de tout trier dans des bols pour après le ranger dans l'armoire que j'ai. Voilà, j'ai aussi tous les colliers dans un autre tiroir. Donc, on y go. Foie de morue et petite partie de Terraforming Mars avec Aya. Petite soirée idéale, quoi. Soirée idéale ? Mais grosse mytho ! Le jeu, il a pas arrêté de planter. Et en plus, on n'a même pas pu finir la partie. Ah oui, c'est vrai. Au bout de 5 fois qu'on relance le jeu, la 5e fois, ça marche plus du tout. Du coup, on sait même pas qui c'est qui a gagné. Du coup, on est frustré. Non, mais ça va, j'avais oublié. Je t'en donnerais, moi, des soirées idéales comme ça, là. Non, mais oh, heureusement qu'il y a OP Crotte. Hein. Lundi, reprise du sport. Et j'en vis pas du tout. C'est juste 15 minutes. Franchement, c'est quoi 15 minutes dans une journée? Surtout que je sais que ça va me mettre en forme, donc. Allez! Et j'ai enchaîné sur le taf. Eh bien, de la merde ce vernis, je l'ai fait hier soir. Le jaune, il est parti. Heureusement que ça me coûte pas cher. Samedi 13 mai, 16e fête de la bière, place des Champs de Foire à Poligny. Au bureau, en pique-nique, dans le bus, Action 8 vous suit partout. Dans votre centre Leclerc de Chaumont, tous nos pains, viennoiseries et pâtisseries sont réalisés dans nos ateliers par de vrais boulangers pâtissiers. Bruno Verhoeven Peinture, intérieur, extérieur, c'est le meilleur. Prenez place sur une boîte tractée. Survolez les plus belles plages de la rive sud d'Ajaccio en parachute ascensionnel. C'est bientôt la toute première édition de la Semaine de la Jeunesse à Rumilly du 9 au 14 mai. Tu es à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle et tu as soif de challenge? Et si t'articulais des fois? Le Nord Trail Mont de Flandre approche à grands pas. Bah, Julie, ça n'a pas l'air d'aller. J'ai une bonne nouvelle, Nature House à Rouvert à Échirolle. Envie d'un afterwork, team building ou simplement fédérer vos collaborateurs? Chez Triba Provins, profitez de moins 20% sur les volets roulants, les portes de garage et les portails. Globalement, à part ça, il s'est pas passé grand-chose. J'ai fait un coup de propre dans le bureau, qui, rappelons-le, est avant tout la maison de Mia. Et paf, on est déjà le lendemain. Départ de Drew pour le boulot. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre un coup de propre sur la terrasse avant d'attaquer le sport. Oui, bah ça va, hein. Je suis freelance. Je fais ça quand je veux, d'abord. Il est 8h53, ceci. Ce serait peut-être temps que je m'y mette. Il est 10h10. J'arrive au bureau en général quand j'ai pas d'urgence à 10h. Là, j'ai dû passer à la pharmacie parce que Drew se fait opérer, ça je vous l'ai pas dit encore, la semaine prochaine. Il a eu un calcul rénal au mois de novembre, en fait, c'est toujours pas passé. Et là, ça le gênait beaucoup ces derniers temps, donc
opération, voilà, bref. La journée d'aujourd'hui va être sportive parce qu'à midi je vais au yoga, après cet après-midi j'ai rendez-vous pour un massage, le dernier que j'avais fait c'était au mois de février, j'essaye de le faire tous les mois pour prendre soin de moi et parce que ça me fait aussi beaucoup de bien. Les massages que je fais c'est des massages énergétiques pour rééquilibrer les énergies dans le corps et vraiment je vois la différence depuis que je le fais. Surtout parce que Laura est super forte aussi. Ce soir, on sera en live pour monter les fleurs en Lego. Et ce que j'aimerais commencer à faire, c'est le montage de ce vlog. Parce que je me suis rendu compte en montant le vlog du mois de mars. Certes, au mois de mars, il y avait beaucoup de choses. Vous avez vu, le vlog était long, il durait une heure, mais il y avait plein de choses à raconter. Le fait est que ça m'a pris énormément de temps de le monter, évidemment. Et je m'étais déjà dit, en finissant le mois de février, que ce serait cool que je le monte semaine à semaine. Comme ça me fait gagner du temps parce que je sais ce qui s'est passé, j'ai encore tout ça frais dans la tête. Et la trame, je l'ai toujours en tête. Tandis que si j'attends la fin du mois pour tout monter d'un coup, et ben ça me prend beaucoup plus de temps. Et surtout, je sais que je pourrais pas tous les mois prendre une semaine entière comme ça pour monter le vlog. Et faire mon travail en même temps à côté, ce sera pas toujours possible. Donc si je peux prendre un maximum d'avance, ce serait pas mal. Donc j'aimerais bien essayer de commencer à faire ça aujourd'hui. Force est de constater qu'il est déjà 10h13 et que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà d'autres rendez-vous dans la journée, donc je vais peut-être pas pouvoir beaucoup avancer, mais on va commencer de faire le tri, je pense, dans les vidéos, et ce sera déjà pas mal. Allez, on attaque la journée, c'est parti là. Let's go. Il y a des publicités qui n'attendent que moi. Spoiler alerte, j'ai pas du tout réussi à faire ça en avril. Par contre, à l'heure où je monte ce vlog, on est en mai, et oui, j'ai réussi à commencer à le monter au fur et à mesure et vraiment, ça change tout. C'est trop cool. Midi, yoga, dans le cadre idyllique de la Villa Flacca. Petit poke saumon en sortant à 14h. Massage dans l'après-midi. Et le soir, live Lego un peu particulier. J'ai fait mon massage cet après-midi, comme vous l'avez vu. Je suis dans le cosmos intersidéral. Heureusement que ce soir on fait que du montage de Lego parce que vraiment je suis... Et encore ça va mieux que quand je suis rentrée tout à l'heure, il y a une heure j'étais vraiment en mode je vais m'endormir à tout instant, je vais m'endormir. Là c'est bon, j'ai bossé mes scènes, ça faisait longtemps que je devais les faire, les refaire en tout cas, faire un peu de propre un petit peu dans le OBS de la maison. Donc tout est prêt, j'ai pas encore mangé, mais comme il y a toujours une petite intro sur le live, on va faire ça maintenant. Voilà, en fait, pas attention aux cernes, c'est l'éclairage. Allez, on y va. Il va être bien ce live. Il va être posé, ça c'est sûr. Il est minuit 5, on n'a pas fini, il nous reste 3 fleurs à monter, en gros il reste les derniers sachets, mais c'était trop cool, regardez comme c'est beau. Une fleur, ah oui les fleurs, tu te prends pour qui? C'est trop beau, je suis trop contente, il faut aller au dodo, parce que demain c'est une journée normale où on va travailler dès le matin, c'était très cool. J'allais vous dire bonne nuit, mais vous allez pas dormir là. Qu'est-ce qu'il y a dit la dame? À demain, bisous. Ah, t'as cru que j'arrive pas à faire le sport parce que je suis très fatiguée et que j'ai mal partout? Eh ben c'est mal me connaître. Let's go. J'ai réussi. Ce matin j'attaque la journée avec un rendez-vous pour un projet secret qui sortira certainement... Donc plusieurs mois déjà, voilà. Je pense que je vais vous laisser ce bout de vidéo quand même. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous saoule ce genre de truc. Ou si vous êtes content parce que vous êtes hypé. Parce que du coup vous attendez que après genre dans 3, 4, 5 mois je vous dise « Hey, tu te souviens au mois d'avril il s'était passé ça ?» Et ben c'était ce projet là. Voilà, bref, si ce projet voit le jour, ce sera quelque chose de trop bien. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là parce que après je vais dire des choses que j'ai pas le droit de dire. Du coup, je vais vous faire des images, mais que vous aurez quand le projet sortira. Voilà, peut-être on fera un vlog hors série avec tous les trucs que j'ai pas le droit de dire. Ça peut être une bonne idée. Allez, c'est parti pour ce
mercredi. Au final, la journée est passée à une vitesse folle. Et on se retrouve déjà en fin de journée pour une plutôt bonne nouvelle. Vous voyez ce sourire? C'est la news inattendue de la fin de journée. On vient de me demander si j'étais disponible pour travailler le week-end de la Zilan. Yeah, je suis trop contente. C'est-à-dire qu'au mois de mai, je vais vous emmener dans mes bagages pour aller à Lyon, à la Zilan. C'est trop bien. Je suis trop contente. Bon allez, on doit préparer le barbecue à la base. Ah oui, on avait une petite soirée entre amis de prévu. Et après, j'ai fait ma routine visage du soir. Forcé de constater que l'état de ma peau s'est grave amélioré depuis que j'en prends soin. Avant, j'avais tellement la flemme de faire ça. Quand je repense à ma grand-mère qui avait 1 milliard de produits et à l'époque, je comprenais pas pourquoi. Maintenant, oui. Surtout quand on a la peau fragile comme moi. Si seulement on savait écouter les conseils des personnes âgées. Mais c'est la vie. Jeudi, au boulot. Terre Bleue fête 20 ans de glace artisanale. Avec les glaces Terre Bleue, 20 ans de plaisir glacé. Il est temps de remplir votre déclaration de revenus. Carrément barré, ouais! Du 10 au 29 mai, les prix carrément barrés débarquent à la halle. C'est jeudi, c'est attaquer la journée sur les chapeaux de roue pour preuve. Avec ses cheveux que je n'ai même pas séchés. Ah, je sais, vous allez dire, ouah, c'est doux, c'est trop bien, ça te fait... Non, cherchez pas. Autant j'aime bien, autant en fait c'est chiant parce que mes cheveux ils mettent vraiment énormément de temps à sécher. Genre là, il est 11h du matin. Je me suis lavé les cheveux à 9h et c'est toujours pas sec. Et en fait, le problème de ça, c'est que après, ça me fait un effet cheveux pas lavés, tu vois. Est-ce que tu t'en fous? Oui, je pense. Passons aux choses sérieuses. Ce matin, j'avais des urgences, du coup, c'est pour ça que je me suis pas séché les cheveux. Et il faut absolument, là, maintenant, tout de suite, que je trouve mon trajet pour aller à la Zilan, du coup. Parce que c'est plus simple en termes d'organisation que ce soit moi qui réserve mon trajet et qui m'est remboursé évidemment après. Donc il faut que je trouve mon billet, il faut que j'aille faire les courses à midi parce qu'on n'a plus rien à bouffer, voilà. Et j'en profite en même temps pour aller récupérer des colis Vinted qui sont arrivés voilà, au magasin donc dans la ville qui est à côté de chez moi. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous vocal avec Oracti et après... Je dois faire le ménage chez la cuisinière masquée en haut, là où on habitait avant, parce qu'il y a mon papa qui arrive demain et qui sera là pour une semaine parce qu'ils font des travaux dans notre maison de famille qu'on a ici et donc il vient suivre un peu l'avancement des travaux. Donc il va venir régulièrement tant que les travaux ne sont pas encore terminés. Donc voilà, et ce soir on va terminer la fleur en Lego. Petit live Twitch ce soir pour terminer parce que le fils de Droudrou dort chez mamie. Voilà. Comme prévu, sur la pause déj, j'ai retiré mes colis et du coup j'ai fait mes courses. Bah, il fait quoi lui là? Ah, je crois qu'on essaye de me faire passer un message. Je comprends pas maîtresse, c'est chez moi cette pièce où je vais jamais là. Tu sors? Mimi, tu sors? Allez viens, sors. Allez sors, il faut que je travaille. Apprends, t'entends ronronner, ça va pas du tout. Vite, vite. Allez, monte. Allez, monte. Voilà. Moi, titi d'amour. Moi, titi. Hein? Bah oui, moi, Ninou. Mais là, vous les petits câlins. Et après, on sort. Hop. Sous le bras. Pout. Passez les vacances au parc Astérix grâce à Oxygène. À deux pas de la Seine-et-Marne, le parc Astérix, c'est 50 attractions et spectacles à découvrir en famille ou entre amis. Et comme prévu, grosse session ménage avant l'arrivée du paternel. Avant de rentrer à la maison pour le deuxième live Lego pour terminer le bouquet. Et regardez! C'est mon One Piece que je suis allée chercher hier au magasin, c'est le colis que j'ai récupéré, je suis trop contente. Je l'ai payé que 15€ sur Vinted, il est 9. Il est 9, c'est trop bien. La matière est trop cool, genre hyper extensible ici. Là, les petits détails et tout, j'aime trop. Il a un entrejambe assez bas, ça c'est un peu chelou. Mais je trouve que c'est ok. Bon, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui? Et ben, j'ai encore du rangement à faire là-haut pour l'arrivée de mon papa. Après, on va le chercher sur le temps de la pause déjeuner.
Et puis ensuite, je sais absolument pas ce qu'on va faire pour la fin de journée. Donc voilà, je pense qu'on va partir en impro. Et bah au final, boulot. Route pour Ajaccio. Le voilà. Petite pause goûter. Reboulot. Ah oui, j'ai fait mon agenda aussi pour les prochains mois. J'adore faire ça. Ça me détend. Et le soir, on est allé sur le port pour un bon resto en famille. Pour le week-end, on va se la faire en résumé. Samedi, j'ai entamé la journée par du sport et un jus de fruits maison. Qui a terminé en glace le lendemain. Je me suis occupée de l'intendance de la maison. Lecture avant dodo y compris. Qui avait fait se marier le roi veuf depuis 40 ans à une vieillarde édentée. C'était lui. Et qui allait réussir pour la première fois dans l'histoire du royaume à tricher en beauté pendant l'épreuve du prétendant en ayant informé la presse de sa tricherie. Ce serait encore lui, sûrement. De mon petit plaisir personnel, le nettoyage de baskets. Et on a profité du temps ensemble avec mon père. Ce qui m'a valu un joli coup de soleil, que vous voyez pas bien là, mais faites-moi confiance, il était bien présent. On est lundi, comme vous avez vu, on a bien profité de notre week-end. Mon coup de soleil est en train de passer. Je lui ai mis plein de crème hydratante ce week-end, donc c'est cool. Cette semaine, eh ben, il va falloir que je me mette à étudier les règles de la ZLAN parce que c'est pas le tout d'être admin, mais il s'agit de connaître les règles des différents jeux sur le bout des doigts, donc je vais m'attaquer à ça. J'ai absolument pas eu le temps de faire ce que je voulais, à savoir commencer de monter ce vlog au fur et à mesure. C'est pas grave, on a le 1er mai qui est férié, je vais pouvoir faire du montage toute la journée, ça va être génial. voilà. Et surtout cette semaine, on a Drew aussi qui se fait opérer pour son calcul rénal. Donc voilà, allez, on y va. Ça va être une bonne semaine, on va avoir que du positif, d'accord? Yay! En avant. Ça se voit que je suis pas sereine ou bien? Si bien que vous allez le voir, cette semaine a été compliquée en termes de vlog pour moi. Le soir, je me suis attaquée aux boucles d'oreilles de mon armoire à bijoux. Bon, voilà, j'ai fait ça. Je suis pas très satisfaite de la praticité du bordel. Voilà, mais bon, là, il est tard. Je vais aller au dodo parce que demain c'est une grosse journée qui nous attend. Il est déjà 11h30 et Drodro n'est pas encore entré. Et clairement, c'est plus l'heure parce que là, vous voyez, il me reste encore tout ça, plus tout ça à arranger. Donc, du coup, faire un deuxième rangé avec un deuxième fil ici pour suspendre le reste. Mais je sais même pas si ça va rester comme ça. Bref, et si ça en intéresse certains ou certaines, je vais mettre sûrement ces boucles d'oreilles là, pylônes. Qui sont en parfait état comme vous pouvez le voir, sauf si ça fait pas la mise au point, à vendre sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mardi, descente à Ajaccio pour l'hospitalisation de Drew. Ah ça, il y a une belle vue à la clinique, mais croyez-moi qu'il aurait préféré ne pas y être. Rentrer en fin de journée pour bosser. Vous avez été nombreux à participer à notre grand casting, La Voix des Vacances. Après New York et Berlin, le phénomène mondial Blumen Group investit Genève. Viens t'éclater à l'incontournable raid aventure Pélissane, seul, en famille ou avec tes potes. Vendredi 28 et samedi 29 avril, gagnez du pouvoir d'achat avec vos Leclerc de l'Albigeois. Et après un dîner chez la cuisinière masquée, retour à la maison pour aller se coucher, manifestement. Bah oui, on va se coucher. Tu t'attendais à quoi? J'allais faire la fête comme ça là, mon mec il est pas là, ouh, on fait la fête. Non, je vais me coucher, je suis fatiguée, je passais la journée à Ajaccio, mon amoureux il se fait opérer demain,
La seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir. Voilà. Tu devrais, toi, mieux que personne, savoir que je suis fatiguée, non? Ouais, t'as raison. Ah ouais? Alors, bon. Allez, au dodo, à demain. Mercredi, j'ai pas mal bossé en matinée. Avec une petite Mimi qui attend toujours patiemment que je sorte de ma boîte. J'ai reçu ma commande Martine Cosmetics. Quel plaisir! Franchement, je pense que c'est aussi grâce à ces produits que ma peau est en bien meilleure santé. Je regrette, j'aurais tellement dû faire un avant-après. Trop content! On a découvert Northgard ensemble avec d'autres admins. Tu sais comment on fait le truc des connaissances? Il faut sûrement ouvrir un truc? Un menu? Ah, ok, travail forcé, vas-y, go! Hop! Et en fin d'après-midi, direction Ajaccio pour terminer la journée avec Drew. Vraiment, les hôpitaux, c'est tout ce que je déteste. Force à tous ceux qui travaillent là-bas et surtout aux patients. Jeudi, bah c'est simple, je suis allée récupérer Drew et j'ai fait le ménage. Ça, c'est du vlog. Vendredi, il était temps de donner un coup de jeune à cette coloration. Et tadam! Ça fait toujours du bien quand on sort de chez le coiffeur. Voilà. Profitez-en. Ça va pas durer. Puis j'ai enquillé le boulot. Dis, chérie, je comprends que tu sois super heureux de conduire notre Kia Stonic, mais le sourire là, c'est trop bizarre. T'es en train de larguer ton cardigan, hein? Ah oui, si des fois vous me voyez enlever mes lunettes pour les enregistrements, c'est que mes branches font grincer mon casque. Et quand j'ai la flemme de trouver la bonne position, bah je les enlève carrément. Heureusement que ma vue de près est pas trop dégueu. Ouais, et toi t'as oublié que le centre shopping Promenade de Flandre est à seulement quelques minutes. Il y a toutes les boutiques préférées de maman là-bas. On s'est fait une pause sandwich avec mon père entre deux enregistrements pour moi et deux allers-retours sur le chantier pour lui. Et, ah bah oui, bah du coup c'était déjà l'heure du départ pour mon père. Et une fois la journée terminée, je nous ai pris des pizzas emportées qu'on a savourées tous les trois. Hello, je vous ai totalement abandonné du week-end. Tout simplement parce que déjà c'était la fin des vacances. Et du coup on avait le fils de Drew. Et en fait on a profité d'être ensemble. Du coup dans ces moments-là, bah, je pense pas spécialement à filmer, puis je veux pas filmer avec lui comme bah, c'est un enfant, voilà, et que on ne souhaite pas évidemment le montrer sur les réseaux sociaux, en tout cas le minimum possible. Et oui, on est lundi, ça veut dire qu'on est le 1er mai, bouh, le vlog d'avril qui démarre en retard et qui finit en retard également. Écoutez, on innove hein, sur cette chaîne. Carrément. Du coup, le mois d'avril se termine ici. La fin est un petit peu en dents de scie, comme vous avez pu le voir avec l'hospitalisation de Drew. Ça, c'est pareil. Je voulais pas trop vous en montrer parce qu'en fait, c'est chelou. Mia, viens là. Viens là. Viens là. T'es bien là. Et oui, parce que si tu fais bouger la caméra, on va pas s'en sortir. Je disais l'hospitalisation de Drew, déjà bah, ça me concerne sans me concerner, c'est-à-dire que bah, c'est pas moi qui suis hospitalisée et en même temps ça impacte mon quotidien. Donc voilà, sachez qu'il a repris le travail hier, que je suis allée l'aider toute la journée, enfin toute l'après-midi où il travaillait pour qu'il bouge le moins possible parce que les suites de l'opération sont pas spécialement cool. Je souhaite ça à aucun d'entre vous. Des crades, en plus il pleut dehors. Mais je veux bien des câlins. Hein. Bref, tout ça pour dire merci d'avoir suivi mes aventures en avril. J'espère que ce vlog vous aura plu. Le mois de mai va être très chargé parce qu'on part à la Zealand déjà la semaine prochaine. Et il va se passer d'autres trucs aussi au mois de mai. Mais je vous laisse la surprise. Je vous fais des gros bisous. À très vite dans un prochain vlog. Ciao !